Bonjour et bienvenue sur la chaîne Moodle en 2 minutes. Alors je m'appelle Julien Maurice et je suis depuis maintenant 10 ans ingénieur pédagogique et j'ai eu l'occasion de travailler beaucoup avec le logiciel Moodle. C'est pourquoi j'ai voulu un petit peu faire des tutoriels pour expliquer un peu le fonctionnement de ce logiciel à des débutants comme à des personnes un peu plus avancées. Alors simplement pour te donner quelques conseils si tu découvres cette chaîne, je te conseille d'aller donc dans la partie playlist. Et ici tu verras donc il y a des playlists qui sont vraiment centrées par exemple ici sur l'enseignant, hein, si tu débutes en tant qu'enseignant par exemple, alors on peut cliquer dessus. Dans cette vidéo, on va pouvoir, voilà, tu vas pouvoir consulter un grand nombre de tutoriels que j'ai fait pour les enseignants. Il y en a en tout 44, comme par exemple créer des questions d'appareillement, je sais, paramétrer l'achèvement automatique d'activité, etc. Bon, voilà, tout ce qui concerne en fait la mise en place d'un espèce de cours en tant qu'enseignant. Ensuite, si tu es intéressé par la partie administration, eh bien ici tu as toute une playlist qui concerne donc l'administration, comment installer Moodle, inscrire des utilisateurs, créer des catégories, etc., etc. Et ici il y a également beaucoup de tutoriels, il y en a jusqu'à 34, tu vois, dans cette partie donc administration. Ensuite, je te conseille également de regarder le cours. Alors là, c'est plutôt un cours, c'est sur un format plus long. Qui s'appelle donc ton Moodle en ligne avant ce soir si tu souhaites installer par exemple une plateforme Moodle, hein, que ce soit en local ou bien en ligne, hein, c'est vraiment une formation assez complète. Donc tu vois ici les vidéos à chaque fois durent entre 20 minutes et 12 minutes, donc il y a en tout 6 modules voilà, qui te montrent un petit peu pas à pas comment eh bien, installer, quel service choisir, etc. Donc ça peut être intéressant pour des personnes qui veulent vraiment du coup avoir leur propre plateforme ou même utiliser leur propre plateforme sur le cloud. Enfin, je te laisserai de toute façon regarder ces vidéos si tu es intéressé. Enfin, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, il y a une partie plugin, il n'y a qu'une seule vidéo. Bon, peut-être que j'en ferai d'autres. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas forcément le programme. Et il y a une partie également H5P que j'affectionne particulièrement. Hein. C'est un plugin qui permet de faire des choses assez interactives en fait, avec Moodle, notamment des questionnaires, etc. À l'heure actuelle, ici, dans cette playlist, il y a simplement deux vidéos pour te montrer comment installer H5P et ajouter toutes les fonctionnalités donc, de ce plugin. Voilà, eh bien, bonne visite sur ma chaîne. J'espère que tu apprendras beaucoup de choses sur ce logiciel, si ça t'intéresse. Et n'hésite pas d'ailleurs à me contacter en cas de besoin. Tu peux d'ailleurs laisser des commentaires également sur les vidéos, etc. Et j'essaierai d'y répondre. Je te laisse également donc, mon mail que tu vois apparaître ici sur la vidéo. Voilà, bonne consultation et à bientôt.